Knut. Kata. Knut and Kata. Ouais, je suis réveillée, c'est bon. Bon, je crois qu'il est presque midi ou je ne sais pas, sérieusement. Il y a un nuage qui est devant, je ne sais pas. Bon, écoutez, on fait quoi? Moi, je vais quitter cet endroit parce que Ok. On lève les deux dernières petites récoltes pour la route et on se casse, c'est mieux. Ça va aller, Star? Ouais. Attends, voilà. Je viens t'aider. Attention, Kata. C'est bon. Tire pas, Knut, c'est dangereux. C'est plus dangereux que les zombies. Ah, purée, il court vite. C'est bon. Ouais, t'es pas merci. J'ai touché le zombie. Je crois pas, non. Bien sûr, Star, attention. Voilà, c'était les derniers, c'est toujours ceux qui sont. Voilà. C'est quoi cette faille? Faut aller vers le nord-ouest. Et creuser. Pour faire pour un zombie. Voilà. Ok. Attendez, je vais manger un coup. Moi j'aurai un petit avant-poste ici. Ouais, voilà. Attends, mais. Bah, je suis vraiment content de vous connaître, hein, sérieusement. Bah, nous aussi, on est content de t'avoir retrouvé. Ouais, je t'arrêtais un peu. Du monde, hein, ben, je croyais que tout le monde était en rôdeur. Non. Knut? On va peut-être les laisser un peu, ils ont peut-être plein de choses à se dire, non? On va se mettre en avant, on va rester devant, viens. Ouais. Bon, ouais. Désolé, hein. Bah, moi, j'étais inquiet, putain. Bah, moi aussi, j'ai cru que t'étais mort et j'ai fait une crise d'angoisse, c'est incroyable. J'ai failli me tuer, je vais me suicider. Ah, attention, il est con! C'est vrai, arrête. Mais jamais ça! Oui, mais je croyais que tu étais mort à cause de moi. Putain. Bon, allez. On va absolument qu'on les suit. Ouais, il faut les suivre. Et... Voilà, je crois. Allez, viens. Désolé. J'ai cru que si t'allais me retrouver, t'allais me mettre une balle dans la gueule. Mais non. Je suis désolé, mec. J'ai prié pour que tu sois en vie et... Mon bon Dieu, t'as protégé. Voilà. Bon. On doit aller au campement où il y a tout le monde qui nous attend. Ouais. Bien passer après à faire un tour dans notre base parce que je crois qu'il y a encore des trucs assez intéressants que je voudrais bien récupérer si on... Ok. Allons-y alors. Ne traînons pas. Parce que... Ouais. Voilà. Je vais faire chauffer quelques bouteilles. C'est par là-bas. C'est assez dur à en faire avec du bois, là il faut bien savoir. Je connais pas tous les crafts malheureusement. Ah, je suis désolé, il faut retraverser la rivière. Attends, alors j'en ai marre d'être mouillé. Vous avez pied, ça m'a mouillé que le pantalon. Ah, j'ai enlevé toute mon armure. Je crois que je vais mettre que mon pantalon, j'ai un peu chaud. Ouais, moi j'ai retiré le bonnet aussi. Voilà, je suis à toi. On y est presque. On y est vraiment dans pas longtemps. J'ai enlevé que ma veste en fait. Le pantalon c'était un peu. Ouais. Voilà. Voilà quoi. Attention! Attention ici. Ah oui, il y a la faille. Il y a un gros trou, ouais. On va faire le tour. Ouais, c'est mieux. J'ai déjà failli crever. Hein, à cœur. Ouais, j'ai rien fait. C'était au tout début, mais je crois qu'il n'y avait pas encore de zombies, je sais plus. Non, il n'y en avait pas encore. Même plus. J'appelle en fait les rôdeurs, moi. Mmh. C'est vrai que c'est ce qu'ils font, ils rôdent.
Ouais, j'ai... Voilà, on y est. Et en... Ah, bah, ça c'est votre base? C'est ça. Ouais. C'est ici. Tu connais? T'es passé à côté? Bah, quand je cherchais Star, je suis venu ici, mais comme j'ai vu ces trous, j'ai pas voulu m'approcher parce que j'avais peur des pièges. Mmh. D'accord. En fait, c'est pour essayer de se défendre de ces choses-là que j'ai creusé ça, en fait. Ah, alors en fait, c'est tout con. Il y avait pas trop de... Ouais, allez, on continue vers le nord pour aller à votre... Attends, ils voulaient récupérer quelques trucs à cœur. Ah non, mais c'était à leur base, c'était pas à la nôtre. Ah bon. Allons-y alors. Alors le nord, c'est par où? C'était par là. Faut longer la rivière vers le Suivez nord, nous. On devrait tomber... Ok, bah celui-là. Votre base. C'était bien par ici. Ok, ouais. Je pense qu'on est proche. Encore une faille. Attendez, venez par là. On va peut-être pas traverser la faille. J'espère que c'est pas une faille volcanique. Ah, voilà, je la vois. Ça, c'était votre abri. Ah, ouais. Ouais. Je suis passé à mon abri en plus. Je cherchais Star, mais il était pas là. Et j'ai vu des panneaux. J'ai vu des panneaux qui disaient qu'on devait partir par le nord. Ah, écoute, oui, c'est ça. C'est nous qui les avions mis, ces panneaux, en fait. Parce que nous, on est parti vers le nord, en fait. Ah, que le monde... Oh, le monde, il est trop triste. On est resté. Oui, on a... Oui, on était pas loin. Ah, ouais. On a construit notre abri en catastrophe parce que même le jour on était en danger en fait. Ouais, non, mais c'est pas grave. Heureusement, comme ça on a pu vous connaître. Lui, attends, ouais. Tu nous suis, ouais. Je suis là. Il y a de l'eau, c'est bon, il y a de l'eau. Est-ce que vous pensez qu'on peut repartir là ou. Bien sûr, non. On pourra essayer. J'ai l'impression que le soleil est en train de se coucher là. Hein. Ouais. On peut y arriver, hein, à l'abri là-bas. Ah, vous pouvez monter, hein, monter. Ouais. Attendez, moi je fais chauffer quelques trucs et puis on y va. D'accord. Faut que je remplisse des bouteilles d'eau aussi, ouais. Voilà, je vais faire chauffer de l'eau. Ça, là, il y a des fioles. Sais. Je récupère toutes les pelles qu'on peut. Ah non, je crois qu'on va rester ensemble. Ouais. J'ai ma machette en pierre qui est presque terminée, chérie. Alors, tiens, je vais t'en donner une. J'en ai une en rab. J'en mets deux à moi avec celle que t'es en train de faire. Okay. Viens ici, je vais te donner ta machette. Par contre, Knut, tiens, chérie. Je sais pas s'il va y avoir assez. Merci beaucoup. Si, attends, j'ai un charbon. Donc c'est bon. Et vous avez à manger? Non, j'ai plus rien, mais ça va, là, j'ai la chose. Attends, j'ai ça, en fait, en cuit. Oh, super. Il commence à faire nuit, on devrait partir soit tout de suite, soit demain matin. Il faut prendre une décision, là. Je vais récupérer ma radio. C'est pas grave, on peut partir. Ah, c'était ta radio, Kata? On part maintenant? Je sais pas, je l'ai perdue. C'est possible que ce soit la mienne. J'aurais pu les gars, il fait vraiment nul là. Mais il y a toute l'eau est là en train de chauffer en fait. Ah non, on part demain alors. Non, c'est pas grave, c'est pas un problème. Pas un problème, il y a 10 bouteilles ici. Il vaut mieux les récupérer alors. Bah alors, on les prend et on part ou on reste? Oui, on les prend on part. Bon, moi je vais essayer de couper du bois. Quelqu'un pourrait m'aider? Bien sûr, ouais. Je vais t'aider à couper du bois. S'il y a quelqu'un, il y a un zombie. Voilà, au moins, il y a un peu de temps. Bon, on y va tous. Voilà. Comme ça, c'est juste pour avoir du bois pour chauffer. Ouais, là, la nuit est vite tombée, il pleut. Oh, non, purée. Peut-être mieux attendre demain. D'accord. J'ai l'impression que... Je vais mettre ma... De plus en plus. Ouais, voilà. C'est moi ou... C'est la saison, je pense, ouais. Le printemps, comme ça, les giboulées. Bon, on va remonter, là. Heureusement qu'on n'est pas parti, hein. Oh, regardez. Il commence à y en avoir, déjà. Bon, moi, ouais, bah. Ouais. Oh, là-bas, il y en a... Il y en a un gros... Ah oui, il y a un gros là-bas. Comme on a vu là-bas aussi. Le vois, chérie? Fais voir. Il est vers l'est. Ah, je le vois. Gros, ouais. Aucune idée. Je sais pas. Il est trop ça loin. Fait quelques... Ça fait... Bah, le premier qu'on a vu, c'était au niveau de ton abri, à toi, à cœur. Moi, c'était bien un. Avant. Bon, en fait, c'est quand c'est quand je me suis enfui. Mmh. J'ai cru que c'était lui. Bon, en fait, c'était à côté de là. En gros, je crois que j'ai cru que c'était lui qui t'avait bouffé, ça. Ouais. Ils sont avec eux, c'est sûr. Non, arrête, Kata. Non, on va les déballer. Déjà qu'il faudrait qu'on éteigne toutes les lumières. Je vais enlever ma torche, alors, frontale. J'ai essayé, je lui ai tiré une balle dans la tête. Il a rien eu, hein. Juste... Oh, regarde. Quoi? Il a l'air énervé, du coup. Oh, il est en train de... Oh oui, il est énervé. Ok, on est... Oh purée. Je sais pas, en tout cas, il lève les... Enlevez les torches. On
On va... Le four. Ça va, il a pas l'air d'avoir repéré d'où venait le tir. Non, mais Mais il est énervé, ouais. Dieu. C'est moi, je l'enlève. Oh, ah, par contre, là, un peu plus loin, je vais mettre ma frontale. Mais bon, toutes les lois plus pire. Oh, purée. Et qu'est-ce que c'était que ce truc? Il y en a un autre là-bas, hein. Il y en a un autre. Merde. Mon Dieu. Mais vous pensez que c'est certains d'entre eux qui sont un peu différents? Oh, c'est terrible, non? C'est sûr. Je lui ai tiré une balle dans la tête, il s'est juste énervé. Pour moi, il faut qu'on... Et on doit parler d'un truc. Pour ouais. moi, c'est pas naturel. Ils ont dû sûrement faire une expérience ou un truc comme ça qui a dû mal tourner. Non? Peut-être, ouais. Moi, j'avais pensé à une épidémie qui transforme les gens comme ça, mais... Ouais, mais c'est bizarre, on est loin de la population. Comment ils auraient pu... Ouais. Vous croyez que si on meurt, on se transforme en cette chose? Il n'y a pas la moindre idée. Ça. En tout cas, apparemment, le message qu'on n'a pas entendu, nous, disait qu'il fallait éviter d'être mort. Et que c'est qu'on récupère un cadavre voilà, d'un de ces rôdeurs et on voit s'il est mordu ou pas. Ah oui, c'est une bonne idée, ouais. S'il était infecté par d'autres. Il faut ou il est griffé ou une chose comme ça. Pour voir si on meurt, si par exemple je tue quelqu'un. Je vais mettre la radio, essayer de contacter les autres. Oh mon Dieu, j'espère qu'ils vont bien. Et merde. Ouais. Allô, vous m'entendez? Ernesto? T'as la bonne fréquence, c'est bon. Black Kite? Pourquoi là? En 2.3. Si vous m'entendez, nous avons trouvé Hacker, l'ami de Star. Et nous allons revenir dès demain à l'abri, au campement. J'ai pas de réponse. Tant pis. Ils sont peut-être sortis à notre recherche, ça se trouve. Non, peut-être en train de dormir. C'est possible. Voilà. Moi, je suis en train de dormir, là, je suis un peu... Bon. C'est une putain d'abeille de merde. On n'a qu'à essayer de dormir et se réveiller demain matin. Je sais pas. Là, je range juste vite fait mon avant-tête. Je vais cuire un peu. Enfin, je vais faire bouillir un peu d'eau. Non, on peut en profiter pour faire ça. Tout à fait. Ah. J'ai de la. Quelqu'un a du bois brut? Moi, oui, j'en ai, tiens. Ah, attends. Non, on va pas s'en servir pour cuire, j'avais une autre idée. Tu voulais faire quoi? Ah bah du coup j'en ai plus, il a été mangé. Non, c'est je l'ai retiré. D'accord. Je vais utiliser le bois brut, faire du charbon de bois, et j'ai une idée. D'accord. Peut-être que ça peut marcher, tu sais, tu m'avais dit que ton frère savait faire ça, les filtres, et en fait je crois que c'est à partir du charbon de bois. Ah oui, excellente idée. Et tu sais, j'ai une super idée, si on essayait de récupérer l'eau de pluie, il pleut pas mal ici, en ce moment. Vous savez le faire? Qui prennent l'eau là? Moi je Ah, regardez, on en pose une ici, pour le toit là, comme ça. Mais vous connaissez la machine? Ah, regardez, j'ai réussi. Bah voilà, parfait, tu la poses ici. Oui, le là. Enfin, j'ai pas réussi à faire la machine pour la pluie, mais j'ai réussi à faire la. J'ai trop de choses dans mon inventaire. Tiens, Kata. Génial, merci beaucoup. Ça pourra dépanner si un jour on n'a pas le temps. Bien sûr, très bonne idée. Bah au moins là, regardez, on peut déjà rentrer en pied. Il y a deux autres charbons de bois, Calme-toi, Kata, calme-toi. Il faut la tuer. Pourquoi les guêpes, elles sont quoi là? Je sais pas, elles sont probablement aussi paniquées que nous. Oh, elle est là, elle est où? Elle est pas, elle est extérieure. C'est juste une abeille. C'est sûr. Elle est pas dans mes cheveux. Elle est pas dans mes cheveux, dites. Il y a pas dans mes cheveux. Il y a pas de problème. Elle est dehors, sur le toit. Calme-toi, souffle un peu. Ouais. C'est là, tiens. Ah. Tiens, regarde. Si avec les zombies ça irait, là. Ok, merci Bidou. Mais tu veux pas en garder pour toi? Ben en fait là il me reste un charbon de bois mais j'ai plus assez de tiges en bois et j'ai plus assez de bois. Tiens, je vais te donner ça. Ah, il y en a un dessous. Merci beaucoup. Oh, il y a des éclairs qui tombent à côté là, vous avez vu? On n'a pas fait un parapente tonnerre malheureusement. Ouais. Oh, il y a un gros qui arrive vers la cabane. Regardez là.
ça. Parfait. Attendez, attendez, j'enlève ma lampe. J'enlève ma lampe. Ça ou ça? Là-bas, là où je regarde. Et je crois qu'on va rapprocher. On va... Et y'a l'abeille, y'a l'abeille, y'a l'abeille. Ouais, l'abeille me fait moins peur. Comment vous voulez que je garde mon calme avec ça? Oh mon dieu! Il va taper sur la gueule. Au gros? Ah oh, oui! Et ça veut dire qu'il va s'énerver à tout ça. Et tombez pas dans le trou. C'est pas... Attendez, je crois que je le jour va commencer à se lever. En star, comme après. Il est immense. Star, on va boucler l'accès. Oh mon dieu. Oh là là. De dieu. Et on peut même pas essayer de tirer dessus. Ah, il attendez, il regarde vers vous. Non. Je déconne. Non, il s'est retourné vers nous à un moment donné. Mais et j'espère que votre base elle est bien. Attention. C'est la tienne celle-là. Non, j'espère que votre base quand on ira. Ah oui. Elle sera bien en l'air. Bah c'est l'un des deux autres, hein, Ernest. Malheureusement, elle est pas bien dans l'air, non. Ouais. On a mis nos tentes en bas, nous. Ouais. Oh merde. On va peut-être les remonter, hein. Ah, on va reconstruire quelque chose, je pense. Je crois qu'on va faire même un bunker. Ouais, mais un bunker, ça va prendre du temps, il faudra creuser. Mon père était architecte, il m'a appris à faire plein de choses, des cabanes, par exemple, pour aller. Et je crois qu'une petite maison... Il fait jour. Est-ce que vous pensez qu'on part maintenant? Oui. Malgré la pluie? Vous savez qu'ils vont pas brûler, là, vu qu'il pleut. On va en avoir plus que d'habitude. Ouais, il faut tenter. Ouais. Non, j'enlève ça, c'est dangereux. Ouais, et puis okay. Les autres vont s'inquiéter si on part trop longtemps, ils vont partir à notre recherche et c'est eux qui vont risquer leur vie. Ouais. Ok, bah alors allons-y. Récupérons tout ce qu'il y a dans les fours. Kata, à cœur. Oui. Ouh là là, il y en a en bas. S'en aller, c'est la clé. S'en aller, c'est la clé. Attention, Bidou. Oh là. Venez, aidez-moi parce que je le tape avec. Ah non, c'est bon. C'est bon, je l'ai tué. Heureusement que j'ai refait une machette parce que... Attention! Oh, il y en a beaucoup, les gars. Merde. Doute. Cours. Je cours. Non, ils sont plus tous après moi. J'ai soif. Doute, attention. C'est bon. J'ai soif. Ils sont tous après moi, au secours. Doute, reviens. J'ai trop soif. Et l'orage qui gronde là, mais c'est horrible! Je peux pas courir comme ce soir. Oh purée! Je suis fatigué. Tiens, je vais te donner à boire, Bidou. C'est bon? On reste. Attention à cœur! Oulala! Ça va, courir! Je me fais attaquer par un rat! Sérieux? C'est l'apocalypse derrière toi, Bidou! Attention! Non! Courez! Vers quelle base? Vous êtes où là? En direction au nord. Allez au nord. Ok, au nord. Knut! Je cours au nord. Je vais au nord aussi. Attention, il y a la faille ici. Non! Ah! Oh mon Attends. Dieu! Et il y a l'orage en plus. Vas-y, courez! Et courez! Je cours, mais j'ai faim, c'est ça le problème. J'ai. T'as faim? C'est ça le problème, mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Faut juste que je prenne le temps de croquer. M'a tiré dessus. Putain. Attends, je vais essayer de... Ah oh, putain, c'est pas là. Derrière toi, t'en as un, Bidou. Cours. Oh mon dieu, derrière la faille, on sera en sécurité. Oh mon dieu. J'ai pris tes arrières. Oh mon dieu. Oh purée. Oh mon dieu. Peut-être qu'ils vont tomber dans la tête. Ah la trouille, je suis en train de trembler là. Oh mon dieu. Ah là on s'est éloigné, je crois que la base... Ça va. La base d'un... Oh purée. Ça va. Là on est contre là, on est... Oh mon dieu. T'as vu à cœur, j'avais mis un message pour que tu prends notre base. Oh purée. Ah bon. On est parti dans la plaine sans savoir où aller et finalement on a eu beaucoup de chance.
Je vais le trouver. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir aussi. Ouais, pareil. Ah, purée. Je suis un peu plus là, je tremble de partout. Moi, je m'allonge carrément par terre. Putain, j'ai eu peur de crever là. Mince. Mais il y en avait combien? Il y en a de plus en plus. Jusqu'à présent, c'était à peu près gérable. Mais c'est parce qu'il pleut et la moitié ne brûle pas, c'est pour ça. Attention à cœur, cette chaise est un peu cassée. Ouais. Il y a de l'orage en plus. J'ai l'impression que les temps d'orage, c'est pas bon du coup. Si ça vous dérange pas, je vais faire un tonnerre à tonnerre. J'ai peur. D'accord. Ok. Ouais, tu peux faire ça au-dessus du plafond, ouais. Vous avez de la pierre pour que ça s'éteigne, pas que ça bouge. J'en ai pas, non. J'ai deux morceaux là. Bah, vas-y. Donc je les ai mis au milieu sur la PO à cœur. T'es en bas? Je suis en haut. Mince, je les ai pris. C'est pas grave. Attends, bah, vous pouvez casser au-dessus, on peut faire une continuité de la... Tiens, à cœur. De l'échelle. Voilà. Je saigne? Non, c'est pas. Moi je saigne, je suis un peu blessé. Ah, c'est toi, Bidou. Je vais remanger un peu, je vais me calmer un peu. Je vais voir aussi. Ok, bon. J'ai mangé tout le reste de sanglier que j'avais. Ça va, on est en vie. En bas, ça va, c'est à peu près. Ça va. La tranchée les retient en fait. Oui. La tranchée les retient très bien, ouais. Oh, la pluie s'est arrêtée. Yes. Enfin. Je voulais planter du radis. J'ai fait un paratonnerre. Voilà. Qui après, qui a servi à rien, mais voilà. Oh purée, mais je perds mes bouteilles d'eau en fait à chaque fois. Vous n'auriez pas du bois? Ça va? Du bois, non, j'en ai pas. Kata, on a peut-être. Tiens, moi je me sens pas bien. Tiens, vite. Tu veux à manger, à boire? Tu veux de l'eau? Il faut que je fasse chauffer des bouteilles absolument là. Ouais, moi aussi j'en remets à chauffer là. Vous avez pas pris les dizaines de bouteilles qu'on avait là-bas? Bah si, j'espère. C'est pas tout. Ce là. Comment? Les bouteilles qui étaient en train de chauffer là-bas. Non, non. J'en ai 5 sur moi. Non, moi je les ai pas pris. Bah vous savez quoi, je vais aller les chercher. Seul. Ouais, c'est bon. Ok. J'ai confiance. Est-ce qu'on reste en contact radio ou... Ouais, attendez. Ouais, parce qu'on voudrait pas te reperdre à cœur. Ouais, j'ai ma radio, c'est bon. Voilà, j'ai allumé. Allez, go. Ok. 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 Oui, ouais. Très bien. Okay. 5 sur 5. Bah, là, il y a plus de zombies, c'est bon. C'est... Ok, je vais aller chasser un peu... Je vais chasser de la nourriture. Enfin, chasser de la... Aïe. Ouais. Faites attention. C'est bon, je suis arrivé à moi. Y a plus de zombies. Je me demande si on devrait pas en profiter pour essayer de retrouver le camp d'Ernesto. Ouais, on va attendre que Hacker revienne et dès qu'il revient, on part. Je sais pas si je plante. J'ai des graines de radis, mais il vaut mieux que je les garde pour le camp là-bas parce qu'on va pas rester ici. La pierre, je la prends aussi. Bon, au revoir, maison. Content de t'avoir connu. J'ai entendu des bruits. Y a une chauve-souris là. Ok, j'ai chassé un peu, j'ai pu ramasser qu'une seule dinde. Mission de récupération d'eau accomplie. Merveilleux. Reviens vite et on repart. Et je sais plus exactement... Oh là, la nuit est en train de retomber. Déjà? Bah oui. Bah ouais, il faisait déjà jour quand il pleuvait. Ouais, c'est vrai. J'espère que... Vous chassez le dinde. Et de Black, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Il y a des barrières, ouais, il y a des barrières. Il y a même des barrières dans une dans un matériau spécial, apparemment, je sais pas trop, hein. Ernesto, il sait très bien. J'ai trouvé... Est-ce que vous la mangerez, la viande de rack, si je la ramasse? Tu manges ça à cœur, maintenant? Je suis pas sûr de manger ça, moi. C'était quand j'étais à l'arrache, mec. Je pouvais pas te faire. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ouais, je comprends. En tout cas, moi, ils m'ont agressé, ces bestioles. D'accord. Ok. Moi j'ai 2 bouteilles de fraîche. Bah moi normalement j'en ai 5, là j'en ai 2 qui sont en train de... Là j'en ai 13. J'en ai 3 qui sont vides. Ça c'est celle que j'ai récupérée là-bas.
Et 3 plaines. On est peut-être que le plus simple c'est qu'on mette toutes les bouteilles dans un coffre et qu'on les divise en 4, non? Ouais, tiens. Ouais, là, il y en a pour le moment qui sont en train de chauffer. On a 18 les boire et après les... Il y en a un peu plus de 18, il y en a 21. Ça fait 4 bouteilles chacun déjà. Attends, j'en ai 3 vides, attendez, je vais les remplir. Ah, il y a un dadon. Ah, ouais, essaie de le chasser. Et tu le ouais. Ouais, non, il m'a rien donné, ça le prix. Ouais, il y en a qui sont très maigres. C'est pas grave, on se débrouille bien. Hop, je vais mettre ça dans le coffre. Allez. Attention chérie, je vois un... Ah non, c'est pas un rat, c'est une souris qui est près de toi. Ah, j'ai cru que tu m'avais dit que tu m'as... Chérie, mais c'est pas moi, c'est Star. Ah, c'est vrai, je fais... Alex. Mais aussi avec vos armures, là. Non, moi. Nos armures, tu veux dire nos petits poils de fourrure. Ouais. Punaise. J'ai armure parce qu'en réalité, il y a une fois un de ces trucs, Bala tout à l'heure, quand on était dans la plaine, qui a essayé de me mordre. Et je crois que j'aurais été touché si j'avais pas porté mon gilet en peau. Il a mordu dans le gilet en peau. Il y a les traces dedans et en fait, heureusement, j'ai pas du tout de blessure en dessous. Pour moi, ça m'a servi d'armure en fait. Ouais, ben moi, dès que j'aurai pas mal de fourrure, je changerai ces équipements déchiquetés. Parce que... Vous habitiez où avant? Ben, dans la ville là. Comment? Ouais, je suis perdu. Vous avez départagé l'eau là ou pas? Pas encore. Nous, on a un gros 4x4 là qu'on a. Merde, n'importe quoi, je me suis assis sur la chaise. Mais je serais même pas capable de retrouver le parking en lisière de forêt où on s'est garé. Ok, allez, on coupe en 4. Mais attendez, à cœur. Est-ce que vous avez gardé vos téléphones portables? Parce que nous on n'a pas du tout gardé, on n'arrive pas à joindre nos familles. Non, non plus. C'est la baie où on avait campé. Quoi? C'est là. C'est la petite rivière où on avait campé. Ah ouais? Oh mon dieu! J'ai séparé en 4 les slots d'eau. Les slots, n'importe quoi, les packs d'eau. Notre Kata, bah c'est ici qu'on s'est fait attaquer par le premier zombie. Que je me suis fait attaquer. C'est vrai? Donc vraiment tout près. Le monde est petit, ouais. Si vous voulez qu'on parte, c'est maintenant parce que là, il commence à faire nuit. Prenez votre eau là dans le coffre en haut et on part. On part. Okay. Mais on n'aura jamais le temps, on va. Non. Si, c'est pas très loin. On fait du saut. Saut de lapin. Ok, je vous suivrai. Prenez votre eau, Star et pris Alex. C'est bon. Alex et... Allez, venez, il me semble que c'était par là-bas, si je me souviens bien. Je pense pas qu'il en reste. Suivez-nous, hein, on est en train de partir. Les cours. Y a plus rien. Non, dans le coffre. C'est dans le coffre. Il y a deux slots de 6 et 7. Ah bon? Oui, on a séparé. C'est bon, j'ai pris aussi. Ils sont déjà là, Venez vite parce que... J'en ai pris. Attention, c'est Mon dieu, qu'est-ce qu'on fait? Montez sur les arbres, je vous l'ai dit. Où êtes-vous? Attendez, je le tue. Il faut monter dans les arbres, c'est notre meilleur ami, les arbres. Ouais, enfin, on s'est déjà fait surprendre dans un arbre tout à l'heure. Non, mais on a quitté l'abri pour passer la nuit sur cet arbre. Voilà, allez, montez. Non, on va. Je veux pas qu'on retourne à l'abri et qu'on se repose. Oh. On va avancer. Il est très beau le paratonnerre que t'as fait. J'espère qu'il sera efficace. Ah oui, il est joli, ouais. Ah merde. J'ai assez de matériaux pour faire un deuxième un peu plus pro, on va dire. Voilà. Et aussi ma lampe, je vais la mettre. T'es sûr qu'ils peuvent pas monter ici? Bon, on fait du saut de lapin, d'accord? On reste que sur les gros arbres. Des fois, voilà. Ça va être très compliqué. Alors, je saute pas aussi loin que vous. Et je vais essayer. Attends. Je vais essayer de pas sauter très très. Voilà, tu vois, ça là, et ici c'est parfait. Pas le moment que tu tombes que. Voilà, parfait. Ouais. À toi, Kata, fais très attention à toi aussi. Attendez, je prends un peu d'eau. Parce que là j'ai très peu de. Ouais, c'est bon. On est tous sur le même. Très peu de santé. C'est par où? C'est vers la mer, donc vers le. Non. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Je vais essayer de sortir ma carte. C'est vers... Ah oui, voilà, regardez. Si on continue tout droit vers le nord-ouest, on arrive à la mer. Et le campement est en bordure de la mer, plus au sud, je crois. En gros, c'est par là-bas. Kata, tu perds du sang. Ouais.
Et on court vers l'axe. Je mange un truc. On pourra peut-être les semer en nageant. On court comme des fous vers la mer. La mer est tout près, nord-ouest. Et là, c'est je vois de l'eau là. Ouais, c'est ça. Bon, vous savez quoi? On court vers la mer. Non, il y a plein de zombies. On va. Merde. Voilà. Attention, Star. Exactement, t'as bien compris. Vas-y, va sur l'autre. Derrière toi, Star, un zombie qui monte sur ton arbre. Oh merde. Sur notre arbre. Sur votre arbre. Faites gaffe. Merde. Oh putain. Vite, vite, vite. Ça va? On est pas en sécurité sur celui-là, hein. Voilà. Venez. Montez, putain. Celui-là, il est sécurisé? Oui, il est sécurisé, celui-ci. Ah. Okay. Tous les arbres ne sont pas sûrs. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On court vers la mer et on nage vers le sud? Bah là, il y a la mer, là. Je la vois, la mer, ici. À vous. Essayez de faire un très gros feu, d'accord? Vers où? Je vais essayer. Et si je tombe? Et si je tombe? Si je tombe, je suis morte. Tu cours vers le nord-ouest. Ok. Après, personne va mourir. Ouais, mais moi, je Bidou. Sens moins bien. Tu sais, tu l'as déjà fait, les sauts géants, là. Les grands sauts. Essaye. Mets beaucoup de force sur tes jambes. T'inquiète pas, tu vas réussir. Ouais, mais je les maîtrise pas bien. Je maîtrise pas très bien mes muscles des jambes. C'est risqué. Vous savez quoi? Regardez. Allez, on va faire un truc. Je vais faire un truc. Vous voulez pas courir vers le nord? On court tous ensemble. En même temps, vers le nord-ouest. Saloperie. Et dès qu'on est au niveau de la mer, on nage. Allez, venez. Voilà. T'as qu'à faire ça si tu veux. Moi, je vais essayer de sauter avant de. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais, Alex? Fais gaffe! Ah putain! Oh non, cours! Alex, il est pourchassé par des zombies là. Cours vers le nord-ouest, va à la mer. Je les éloigne. C'est bon, il est sur un arbre. Je ne fais que les éloigner. Voilà. Non! Ah! Je suis tombé! Cours vers le nord-ouest! Attention, au rat! Je te suis! Kata, attention! Je suis dans l'eau! Non, Kata, c'est bon! C'est bon, je suis avec toi, chérie, je suis avec toi. J'ai sauté avec toi. Ok, c'est bon. On est avec Star dans l'eau, tout droit. L'autre, il est où? Il est avec nous. Je suis avec eux. Ok, c'est bon. Il y a un rat qui nage. Viens avec nous au nord-ouest, dans la mer. Je vois. On va nager vers le sud. Aïe. On va arriver au camp, j'en suis. Ça va, Kata? Oui, tout va bien pour moi. Et toi, Bidou? Ça peut aller, ça va, j'ai plus de peur que de mal. Tant mieux. Il y en a plusieurs qui nous ont vus là. C'est pas grave, gardez ces lampes. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas l'eau donc. Purée, par contre, c'est fatigant de nager. Hein. Ouais. Ça va, j'ai. C'est très très fatigant de nager. J'ai fait de la natation. Vous arrivez à me suivre? Ouais, on est là. Oh là là, ouais, nagez pas trop c'est près bon, du bord bon. Parce que ça leur donne envie de sauter dans l'eau, j'ai l'impression. Ouais, mais ils vont couler, hein, j'en suis sûr. Saloperie. Vous êtes sûr qu'on est dans la bonne direction, Bidou? Oh oui, je reconnais. J'espère, ouais. Il me semble, hein. Il me semble que c'était en bord de mer. T'inquiète pas, tu gères. Maintenant, par contre, il va falloir qu'on tourne. Viens. T'en fiche. Faut qu'on tourne où? Oui, il y en a plein. Vers la vache. Mon Dieu. On va être cerné, là. On est déjà cerné. Je suis en train de me dire que faire des petits bateaux, ça pourrait être pratique. Ouais, tu sais fabriquer des bateaux, toi? Attendez, je vais repérer les lieux. Avec du bois, on peut. Si on ligote quelques planches de bois l'une avec l'autre, on peut arriver à faire une. Attention, Star, ils sont tous en train de te suivre. Non, plus maintenant, ils sont sur moi. Faut que je trouve. Je trouve pas la base. Viens. Non, on est parti trop loin. J'en étais sûr. On est parti trop loin. Attendez, viens. J'ai trouvé un moyen de passer la nuit. On peut pas passer la nuit à nager, hein. Je tiendrai pas. Je monte. Je suis en train de monter. Tu veux que je descende dans l'eau? Il y a un ours dans l'eau qui nage. Je les attire, t'inquiète. Ok, je suis au-dessus d'un arbre. Je vois l'eau. Je vais essayer de chercher la. Ouais, je vois Kata, rien. Je te vois aussi là-bas. Eh, vous, il y a une petite île là. Peut-être qu'il y a pas de. Ah non, si, il y en a dessus. Non, Knut, tu nous as perdus. Si, non, je suis avec Hacker. Je vous vois.
Je vois tout le monde là d'où je suis. C'est bon, j'ai... Ils sont dans l'eau là en bas. Attention, il y en a un là. Attention. Ils arrivent sur l'arbre. Ils peuvent pas nous atteindre. Sautez dans l'eau. Ils peuvent pas nous atteindre. Ils pouvaient, je viens de casser la branche qui gênait, c'est bon. On saute dans l'eau. Vous nous voyez, vous? On est en haut, ouais. Un point faible? Ouais. Il faut attaquer la tête. Oh, j'ai trouvé un. Attendez, allez, je vais me reposer là-bas. J'ai trouvé un petit endroit qui est à fleur de l'eau. Ah. Vous me voyez? C'est bon. Je suis sur mon petit endroit. Ah, le jour commence à se lever, c'est un petit espoir. Oh. Par contre, il va falloir regarder les cartes. On est perdu dans la forêt, la nuit, avec des zombies. Écoutez, ça pourrait pas aller plus mal. Hein. Tiens, mettons un endroit. Il va falloir que vous me fassiez confiance. En plus, moi, je commence à être assez fatigué, là. Et si on dormait maintenant? Non, comme ça. J'en peux plus, je suis fatigué, moi. J'ai peur, regarde, ils peuvent toujours venir. Elle a combien de blocs, la base? Je sais pas. C'est bien le problème. Je sais pas. Personne n'a noté les coordonnées de la base. Merde. Bon, vous savez quoi? On va y aller. On va y aller? Et comment, on va la trouver. On a bien trouvé à cœur alors qu'on savait pas où il était. Il faut y croire. Suivez-moi. Knut, ça va? Tu veux de la nourriture? Ouais. Attends, allez, à cœur. On te suit. Knut, tu vas avec Star, on se fait en deux groupes pour pas se perdre. Pour pas être tout seul, ok? D'accord, je garde Alex, mais je préfère rester avec Kata, mais... Non, remarque, de toute façon, je garde un œil sur tout le monde. T'inquiète. Mais je suis Alex, il a l'air de savoir où il va. Allez, Star. D'avant. Oh, attention, il y en a deux, là. J'aime bien ton deuxième nom, Star. Star Alex. Ouais. C'est Kata qui m'a appelé comme ça, alors. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu tout seul. Il ressemble à quelqu'un. Tu ressembles à une star de connu, peut-être. T'es sûr de la direction, Alex? Oui. Moi, je fais de la musique. Star était mon meilleur ami, on partait sur... T'es sûr que c'est pas au bord ici, en longeant par là? Non, je crois qu'on s'éloigne trop si on longe. Je pense qu'il faut qu'on revienne un peu sur nos pas. C'était en bordure de mer. Vous faisiez quoi avant? Bah nous on était reporters. Un reporter? Ouais. Tes cheveux disent quelque chose, Kata. Voilà. Oui, probablement. Mes cheveux. Je le savais. Tu as trouvé? On était parti trop loin. Ah, génial. Non, il y a ma... Non. Attendez. À cœur. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu quelque chose de dangereux? Non. On dirait qu'on tourne en rond. Non. Ah, j'en suis sûr. Ah, je l'ai trouvé. Regardez là. Non, c'est ma base. J'ai trouvé. Ok, parfait. Vous êtes où? Je vous ai perdu là. Ah, c'est bon. Je vous vois. Bah écoute, j'allais commencer des études scientifiques, mais... Ah, dans la physique. Ah, voilà, c'est bon. Kata? Oui? Ah bah on est oui. Tous là, ouais. Oui. Nous y sommes. De toute façon, j'entendais bien vous voir. Génial. On devait pas être loin. Oui, on devait pas être loin. Il y avait pas de grésillement, de fréquence. Bienvenue, Oups. Par contre, il va peut-être falloir qu'on... Prochainement, qu'on change les tentes de place. Les mettre en hauteur peut-être. Et qu'on se repose aussi. Et Ernesto voulait qu'on replante les radis à l'extérieur aussi. Vous voulez pas faire un canal d'eau? Je vais replanter quelques radis et puis moi je vais aller me reposer par contre. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Bon, là j'ai mal au dos. Alors Star, il voulait faire des études scientifiques, vous étiez reporter. Ouais, reporter et Knut était scientifique avant d'être reporter. Ouais. Mais mes connaissances en biologie ne permettent pas d'expliquer ce phénomène. Je suis toujours, surtout un peu ingénieur, disons.
Ouais. Même si ce que j'ai conçu n'a jamais beaucoup marché. Bref. Peu importe. J'ai planté des radis à l'extérieur, donc ça pourra toujours nous aider un jour. Ok, ceux-là faut les enlever peut-être. Aussi. Ouais, je suis en train de. Tu te rappelles la tournée qu'on avait fait? C'est bien d'avoir mis des radis là. De quoi? Tu te rappelles la tournée qu'on avait fait là, quand je devais aller à un festival? Oui. C'était trop bien. Je vais mettre ma radio. Ce qui m'inquiète, c'est que ils ne sont plus là. Peut-être qu'ils sont partis, quelque part. Hein. Ouais. Mais oui, moi, c'est vrai. Je trouve que j'ai assez peur parce que j'ai peur que un zombie arrive, un rôdeur arrive. Est-ce que vous m'entendez? Là et Jack. Y a-t-il quelqu'un? Personne. Tu sais que je viens de me rendre compte d'une chose. Nous sommes partis, Forest. Ernesto. Je bricole pas mal de trucs alors. La caille. Oui, en effet. Merde, ouais, c'est pas grave. Le panneau qui sert à rien. Ils vont arriver ce soir. J'espère. J'en suis sûr. Content de vous connaître, sérieusement. Donc voilà, par contre, il va peut-être falloir qu'on s'installe en hauteur. Hein. Oh. Ouais, et ouais. Tu seras content de connaître Ernesto aussi. Il a pas du tout peur de ces choses et il nous a pas mal protégés, donc peut-être que. Quelqu'un sur qui on peut compter pour survivre, quoi. On a un point en commun. Ouais. Ouais, bah plusieurs personnes comme ça qui assurent. Heureusement que vous êtes là, quoi. Ouais. J'ai peur aussi. Écoutez, moi je pense que je vais dormir. Voilà, pareil. 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 Tout le monde. À cœur. Je vais m'asseoir. Ouais. D'accord. Ouais. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Ouais. Et puis, mine de rien, dormir au petit matin, comme ça permet de dormir plus silencieusement parce qu'ils sont pas, ils sont pas là. Ah. Va dans l'eau, va dans l'eau. J'y vais. C'est pas vrai. Là, je t'avais dit ça dès le départ, chérie, quand on a commencé à tremper, fais attention au feu. Ouais, je sais. Ça a l'air dérisoire maintenant, quand j'y pense, on était... Mais il est tellement... Il est à l'entrée de ma tente aussi. Je vais faire un truc, je vais mettre une source d'eau. Il faut que je passe là pour aller à ma tente, juste à côté du feu. Ouais. C'est ça le truc aussi. Saut. Oui, j'ai un saut. Parfait. Moi, j'ai pas de saut. Je vais juste mettre un... Je vais mettre de la pierre, c'est un peu plus propre que de la terre. D'accord. Ouf. Je suis en train de saigner, attendez, je vais manger un truc. Oh, il faudrait que je fasse cuire tout ça. Il faut que tu décales ta tente, tiens. Ton lit. Ah oui, merci beaucoup. Et décale ta tente comme ça, je pense que Kata pourra mieux passer. Alors, le problème c'est que. Attends. Attends. Ouais. Merci beaucoup pour le lit. On y va à deux. Ouais. Voilà. Voilà, comme ça on sera mieux. Vous avez fait quoi avec ma tente? Voilà. L'eau est on a décalé, on va décaler un petit peu. Pas de soucis. Ah d'accord. Attends. Vous le faites? Vous la démontez? On essaye de. Okay. Mon dieu, mon dieu de Zeus. On essaie de surélever, c'est ça que tu veux? Non, on fera ça demain matin. Demain. Après, ouais, ça te repose un peu. Au moins, Kata, là, tu pourras. Là, je vais mettre la tente ici. Pour mettre de l'eau. Oui. Oh, super, merci beaucoup, Hacker. Attends, je vais là. Génial. On va juste la faire chauffer parce que je sais pas si. C'est moins gênant ici? Ouais. Ah, bah oui. Voilà. Oh. Je vais aller chercher. Bon, bonne nuit tout le monde. Bon, je vais m'allonger un peu. Attendez, je vais manger un petit peu et puis ensuite. Dit, alors. Quelqu'un sait faire un lit? Oh, il dort déjà. Bonne nuit, Kata. Bonne nuit, Hacker. Bonne nuit tout le monde. Je crois qu'il faut malheureusement. Il faudrait qu'on ait de la laine. On te fera un lit demain. Ok, merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Kata. Bonne nuit, Toute. Bonne nuit, Hacker. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit, Pitou. Pitié. Notre radio et nos torches se rechargent grâce à l'énergie de vos likes. Si vous avez aimé, aidez-nous à survivre.